Alors bonjour à ceux qui y ont déjà rejoint. Donc je vais reprendre où je m'étais arrêté hier. Ok, on va reprendre les choses. Ok, donc une des choses qui a été travaillée hier, c'était toute cette partie un petit peu de personnage qui se relève au milieu d'une espèce de mare de toile d'araignée. Donc je vais pousser cet aspect-là. Je vais aller un petit peu plus loin sur l'environnement là qu'on va avoir autour et puis détailler le sujet un petit peu plus. Et on va parler un petit peu de l'ambiance. Donc un peu tous les points qui vont améliorer cette mise en place un peu du personnage. Bonjour. Donc, on va commencer à venir sculpter un petit peu plus de détails sur l'illustration pour avoir
un point où poser le regard autre que la grande barbe. Donc je vais venir travailler un petit peu cet aspect-là. Alors bonjour à ceux qui ont rejoint. Donc pour l'instant, je vais faire simple. Tout ce que je suis en train de travailler là, c'est vraiment sculpter le dessin. C'est utiliser un peu la couleur plus en dessin qu'en masse. Les deux s'opposent à longueur de temps quand on fait de l'illustration. Et là, je vais vraiment dessiner avec la couleur au départ pour poser les formes. Donc cette partie-là, j'en avais parlé sur d'autres vidéos. En général, je vais vraiment placer les choses au départ en essayant de coller au maximum à l'impression que j'ai envie d'avoir du personnage sans mettre, sans prendre de référence exacte au départ. C'est vraiment juste coller à l'idée que je me fais du personnage. Bonjour à ceux qui ont rejoint. Donc par la suite, je vais garder un côté ultra peinture dans le traité sur cette zone-là. Mais avant que ça ait un aspect trop peinture, trop lâché, comme c'est le cas depuis le départ sur le sketch, il va falloir que je revienne à des formes beaucoup plus définies comme ici. On va venir vraiment sculpter un petit peu les choses pour que les différents matériaux, les différentes parties du visage se démarquent bien. Et je reviendrai ensuite seulement redonner ce côté un peu plus lâché. Là, je vais essayer de travailler donc sur l'impression que je veux garder à la fin sur cette partie ici. Ce que je veux avoir comme impression, c'est vraiment un visage qui va être très sombre et on va avoir juste la partie de bouche qui va ressortir très fort. On va avoir les dents assez marquées du personnage pour montrer l'énervement un petit peu, la puissance du personnage, et on va avoir une partie sur les yeux qui va ressortir un petit peu aussi.
Oui, effectivement, les détails, il faut les garder vraiment pour le plus tard possible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans des détails à n'importe quel moment. Il n'y a pas de règle pure, les artistes fonctionnent tous différemment. Ce que je peux montrer là, c'est mon process, mais tout le monde fonctionne un petit peu différemment. Le tout, c'est de toujours s'arrêter suffisamment tôt pour, entre guillemets, si on devait mettre une règle là-dessus, c'est pas rentrer trop dans le détail au point que cette zone-là se détache du reste, c'est-à-dire elle paraît vraiment plus intégrée. Si on a fait ça veut dire qu'on est allé trop loin et du coup on ne pourra pas se rendre compte de l'intégration même pour plus tard, quoi. Si on monte le reste en détail, si je détaille par exemple cette zone-là trop tôt à fond, je vais pas avoir le rapport de touches de peinture, de détails sur les autres zones et donc je risque d'avoir perdu du temps pour rien. Donc il faut monter tout un petit peu doucement. Au départ, on met un fond général, après on pose les tâches, on pousse certaines tâches en détail un petit peu. Dès qu'on commence à avoir poussé, passé un petit peu trop de temps dessus, il faut vite arriver sur une autre zone, etc. comme ça, et on monte l'image au fur et à mesure. Là, je commence à détailler un petit peu plus parce que l'ambiance commence à se détacher, les formes commencent à être lisibles, et je vais avoir besoin d'attirer l'œil sur le sujet pour voir si toutes les lignes, toute l'infrastructure un peu de l'image fonctionne bien, quoi. Mais il n'y a pas de moment exact où on sait qu'on rentre dans les détails, hein. C'est au fur et à mesure. En tout cas, il faut monter les différentes étapes. Donc on passe sur du détail assez régulièrement sur l'image. Il n'y a pas qu'un seul moment, quoi. Ça peut être vraiment à plusieurs moments différents. On monte les détails, on s'arrête de nouveau, on remonte du détail, etc. Donc là, je vais par exemple, si on parle vraiment des détails, là je vais monter qu'en partie toutes les zones de détails, parce que par la suite je vais aller chercher un modèle un peu plus précis pour avoir soit un acteur, soit un modèle, un modèle vivant pour avoir une référence vraiment ensuite de structure de visage pour toutes les nuances. Là, c'est pareil en termes de détails, en fonction de si j'ai préparé un croquis dessiné au départ ou si je pars comme ça directement en touche en couleur, je vais pas apporter la même attention aux détails. Là, je vais y passer un tout petit peu plus de temps pour être sûr de ne pas faire d'erreur par la suite. Comme j'ai pas eu l'étape du dessin pour vérifier les erreurs potentielles, je vais y passer un tout petit peu plus de temps. À placer les choses. Oui, c'est une bonne question sur
les références. En fait, on donne pas tous la même info entre guillemets, parce que ça amène à la même information à la fin. C'est-à-dire que le but, c'est de pousser le plus possible à prendre de la doc. Parce que on a tendance par réflexe en général, en tout cas en moyenne, à aller chercher de la doc tardivement, à repousser le problème et pour la mauvaise raison. Donc en général sur de l'apprentissage, et vous pouvez le voir sur plein de tutoriels, on va pousser à aller prendre de la doc tout de suite avant même de démarrer. Pour caler un petit peu toutes les références. Et puis il y a une histoire en plus de ça de coller au métier, c'est-à-dire que les moodboards par exemple peuvent être demandés très tôt en production en jeu vidéo. Là je suis libre sur de l'illustration comme ça d'aller chercher au moment où je veux, mais en jeu vidéo il va falloir prouver au directeur artistique qu'on est sur la bonne direction, qu'on suit une voie qui part pas dans n'importe quel sens, et nous aussi ça va permettre de nous rassurer sur les choix qu'on fait. Donc on va aller chercher de la doc très 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 tôt. Donc c'est pas deux infos qui se contredisent, c'est juste se préparer un petit peu à ce que le métier peut amener par la suite. Et ce que j'ai pu dire en prépa là-dessus, c'est moi c'est ma manière de fonctionner, sauf quand, encore une fois en production, on m'impose de fournir les moodboards. Le problème d'aller chercher les moodboards trop tôt, c'est que justement ça vient de problématiques de production. Dans les studios, on a besoin d'avoir des références, de savoir où on va, de suivre des styles pour caler un petit peu les choses. On a une manière très méthodique de construire un visuel ou une série de visuels. Le problème de ça, et c'est ce qui se passe un peu dans le concept art actuel, la dérive de ça, c'est de commencer à faire un peu tout le temps le même type de design, suivre les mêmes artistes, avoir les mêmes références, etc. Et surtout, suivre tout le temps des références et du coup, être moins créatif. Donc quand je parlais vraiment de cet aspect d'aller chercher de la doc assez tardivement, c'est plus pour pousser justement à amener des choses personnelles, être le plus créatif possible, pas avoir trop de contraintes. Et une fois qu'on commence à savoir vraiment ce qu'on veut faire avec, on peut aller chercher de la doc, quoi. Et ensuite, le moment exact, oui, ça varie d'une méthode à l'autre, quoi, d'une personne à l'autre. Je sais que j'ai une tendance à aimer mémoriser énormément la référence. Je vais les regarder et ensuite j'essaie de les digérer, de me rappeler ce qu'elles veulent dire, comment elles sont constituées, et essayer de faire beaucoup de choses de tête. Des gens comme Jesper, H-Sing fonctionne comme ça. Karl Kopinski fonctionne en partie comme ça aussi. Donc c'est une méthode. D'autres artistes vont préférer aller chercher assez vite de la doc et l'avoir sous les yeux et travailler pas mal avec. Donc, ensuite, c'est un peu à chacun de trouver le moment où on est à l'aise, à quel moment ça nous contraint ou pas. Donc pour la suite, faut pas hésiter à prendre un peu des deux méthodes en fonction des projets. N'hésitez pas à tester justement, tu vois, pour ta question, c'est de tester un petit peu les deux versions. Qu'est-ce que ça donne quand tu prends la documentation très tôt? Qu'est-ce que ça donne quand tu la prends beaucoup plus tardivement? Et trouver une méthode où on est à l'aise et où on reste aussi créatif, quoi. On se fait pas contraindre complètement par le fait de prendre de la doc. Donc là, je suis en train de lui donner un air tout à fait aimable. On va renforcer l'impression comme ça de loin d'avoir une espèce de presque mono-sourcil un petit peu. Justement en termes de détails, donc après il faut rapidement revenir au classique où on dézoome un maximum et on essaye de voir ce que l'illustration donne de loin. Le fait d'avoir mis des tracés très fins sur les dents par exemple ici, parfois ça vaut le coup d'être un peu plus assumé. Ça paraissait donner de la précision sur le moment, mais de loin on va avoir besoin d'avoir
un peu plus de lisibilité. Là, par exemple, sur des modifications comme ça, ce que je regarde, c'est pas l'esthétique, c'est pas savoir s'il va avoir une belle gueule ou une gueule de travers ou moche, etc. C'est justement, j'essaye de trouver l'attitude exacte que je veux avoir sans la référence. C'est déjà essayer de trouver le caractère que je lui veux. Est-ce que je lui veux les yeux rapprochés, un peu penchés, etc. Et je vais essayer de trouver tout de suite son caractère sans avoir la documentation, ce qui va m'aider aussi à réfléchir à quel type d'acteur je vais aller chercher pour la doc. Oui. Quand on zoome, c'est quasiment obligatoire. Hein. Le fait de zoomer, ça fait se concentrer sur une petite zone. On fait quelque chose de très précis et ça ne fonctionne pas dans l'ensemble. Il faut le faire seulement quand on a l'habitude ensuite, qu'on l'a testé, qu'on sait quelle est la limite un peu de cette méthode-là. Là, quand je mets toutes les marques en place, je sais que chaque coup de pinceau peut avoir un impact qui fonctionnera pas à distance, je vais juste poser le strict nécessaire pour avoir une base à retravailler ensuite. Oui, ça perd de l'énergie parce qu'on devient trop précis, trop fin un petit peu dans chaque tracé. C'est un des problèmes du digital, hein, c'est de pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut continuer à zoomer à l'infini et aller chercher le moindre pixel pour avoir la bonne forme de visage. Sauf que de loin, ça va poser un vrai problème de lecture, quoi. C'est une bonne question, l'aisance à retrouver en digital par rapport au tradi. Le temps, le nombre d'images faites et l'expérience, j'aurais tendance à dire. Le choix des brushes aide pas mal. Il y a tout, dans le métier, il y a beaucoup de remarques là-dessus, puisque beaucoup de jeunes qui débutent ont tendance à demander tout de suite quelles sont les brushes utilisées. Parce qu'il y a cet effet un petit peu tout de suite grand spectacle, une brush qui va avoir un super effet, on va avoir envie de l'utiliser, sauf que c'est un contexte à chaque fois et c'est un style qui va avec, etc. Donc une super brush, on peut très très mal l'utiliser. Donc souvent on voit dans le métier que c'est une blague un petit peu de justement se moquer un peu du fait de demander les brushes au départ, mais malgré ça, le choix des brushes aide beaucoup pour ça. Donc c'est un tri à force, plus j'ai testé, là je peux prendre l'exemple, hein, sur le côté, malgré la caméra qui est en partie dessus, vous pouvez voir ici toutes les brushes qu'il y a, voilà, c'est un nombre de tests de brushes quasiment infini. Donc je vais tester un petit peu tout ça.
Et ensuite, je vais garder du coup une sélection un petit peu d'une 20-30 brushes qui sont, que j'utilise, qui sont groupées par type d'utilisation. Maintenant, il y a des docks où on peut les grouper un petit peu plus ensemble. Donc j'y viendrai par la suite à grouper ça de manière un peu plus propre. Mais l'habitude pour l'instant et le rythme un petit peu a fait que j'ai pas encore changé cette partie-là. Alors, un autre outil aussi, digital, qui est intéressant, qui est que sur Photoshop, en tout cas sous cette forme-là, c'est le Mixer Brush. Donc c'est l'outil qu'il y a ici. Donc quand on est sur le pinceau dans Photoshop, c'est le dernier outil qui est à cet endroit-là. Et le Mixer Brush qui est sur le raccourci. Alors je sais plus, il me semble d'ailleurs qu'il n'a pas de raccourci au départ, ça doit être le raccourci B de base. Mais vous pouvez lui attribuer un raccourci pour l'avoir comme un autre pinceau. Et avec les réglages qu'on a là-haut, on peut avoir le côté un peu plus trempé ou détrempé du pinceau pour retrouver ce côté traditionnel un petit peu. Donc ça fait que sur une zone, par exemple comme ici, on va pouvoir, au lieu d'avoir ce côté sur la même brush, au lieu d'avoir ce genre de choses, on va pouvoir utiliser les coups de pinceau déjà donnés et venir récupérer un côté un petit peu plus tradit là-dedans. Et le fait de détremper ou d'assécher un petit peu les choses va changer le rendu systématiquement de. Du mixer brush et ça va permettre d'avoir les transitions un petit peu plus floues, un peu plus travaillées aussi. Alors l'aspect fouillis, pas forcément très beau à regarder, ça peut venir de plein plein de problématiques différentes. Un des aspects qui peut être à l'origine du côté un peu fouillis, là par exemple, toutes mes formes autour ici, elles ont tendance comme ça à avoir ce genre de petits effets. Au départ, c'est bien de se forcer à pas utiliser trop de brushes qui font ça. Moi je l'ai fait au début de carrière, parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce côté plus tradit, plus lâché, et c'était quelque part une erreur parce que ça manque justement de précision. On a tendance à tout rendre un petit peu brouillon tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est de jouer justement. Maintenant, je joue entre les deux donc ça se voit moins, mais de jouer vraiment plus avec le lasso, c'est-à-dire que ce qui aide à avoir quelque chose de lisible dans une image. Là, ce qui fait la lisibilité, c'est le fait que les formes elles sont très tranchées comme ça, elles sont assez simplifiées aussi. Comme si on avait détouré vraiment une zone. Si je devais par exemple jouer sur ses cheveux ici, je vais plutôt faire ça. Ce qui restera peut-être une très bonne idée d'ailleurs pour la suite. Donc je vais plutôt utiliser le lasso, ça va me permettre très vite comme ça d'avoir un effet qui est très très net. Et ensuite, si je veux un effet un tout petit peu plus flou, je vais venir le retravailler
à certains endroits pour que les cheveux aient un aspect un tout petit peu plus sali, par exemple, qu'on ait quelque chose d'un tout petit peu plus vivant. Je vais revenir tracer un petit peu les bordures, voilà, pour que ça bouge un tout petit peu plus. Mais dans un premier temps, je vais utiliser ce côté. Du lasso pour avoir beaucoup de lisibilité sur chaque forme, ce qui évite le côté trop brouillon justement. Donc ça peut être un des problèmes. Un autre problème qui rend un petit peu les choses brouillon, c'est à l'intérieur des formes, c'est de toujours jouer sur la même chose, c'est à quel moment les choses sont nettes et à quel moment elles sont floues. Là par exemple sur ces formes ici, je vais avoir du flou ici, et de l'autre côté, je vais avoir ici quelque chose de très net, très tendu. Donc on a vraiment cette ligne tendue et ce flou un petit peu dégradé ici qui va partir. Et je vais faire ça quasiment partout. On va avoir des tensions comme ça qui vont être différentes. Ici c'est un peu flou, donc je vais avoir de la netteté ici. Ici c'est un peu flou, donc je vais retrouver de la netteté ici, etc. Donc c'est de jouer un petit peu sur systématiquement le flou et le précis pour avoir quelque chose de plus lisible. Ensuite, ça dépend des matériaux. Là, j'ai un élément spécifique avec besoin de beaucoup de flou. La plupart du temps, sur nos vêtements, on a des flous qui sont plus contrôlés. Comme ici, par exemple sur le visage, hein, c'est la même chose. Il y a des endroits sur le visage qui sont nets et des endroits qui vont être beaucoup plus flous. Ça dépend de l'endroit où c'est posé, ça dépend de qu'est-ce que ça subit comme forme. Oui, exactement. Ouais. Les zones simples, les zones complexes, ça joue aussi, ça rentre en compte. Donc là, c'est la même chose, toujours garder le réflexe de dézoomer, rezoomer systématiquement. Il n'y a pas de moment où on ne bosse que zoomer, de moment où on va faire que du dézoom, sauf au départ,
au début d'une illustration où c'est bien de rester très très loin, très dézoomé un petit peu tout le temps. Donc là par exemple, l'idéal est posé et de loin je vais avoir une perte de lisibilité un petit peu sur la mèche qu'on va avoir ici, elle est trop fine. On est sur un côté lâché mais en fait vu de près, donc de loin on va avoir quelque chose de trop tendu et net. Donc je vais redoubler un petit peu de puissance du coup sur cet endroit là. Alors hier on parlait de colorisation de noir et blanc sur la fin de l'épisode, on commençait à parler un petit peu de cette histoire de colorisation. Et là je vais passer justement par une étape de colorisation. Le visage pour l'instant était travaillé vraiment noir et blanc et on va lui amener un petit peu de teinte. Là, on peut utiliser plein de méthodes, il y a tous les modes de calque qu'on va avoir ici qui permettent de coloriser un peu un élément. Un élément qui marche toujours, c'est d'aller chercher un peu de rose pour donner le côté un peu plus vivant de la peau, même si le personnage là va être, on veut garder un petit peu ce côté un peu mort. On va lui donner le côté juste de peau en tout cas, en allant chercher juste un aspect un peu rose. Donc là, il faut que je définisse à l'avance pour choisir un peu la couleur. Quand je vais choisir la couleur ici, il faut que je définisse déjà quelle est sa couleur de peau. Est-ce qu'il a une couleur de peau claire, foncée? Est-ce qu'on a une couleur de peau qui est plutôt dans les jaunes, plutôt dans les roses? Donc plutôt sur une gamme qui va tourner ici, vers le haut ici, vers des peaux un peu plus jaunes, ou plutôt vers des peaux pâles qui vont tourner vers du rose. Donc il va falloir définir ça. Donc là on est sur un personnage qui n'est pas sorti depuis très longtemps, donc je vais garder le fait qu'il a, il a quelque chose d'assez buriné un petit peu, mais une peau qui est assez pâle. En termes de chaleur de la couleur, c'est-à-dire que plus on monte vers ici, on admet en tout cas en artistique que les couleurs jaune, orange, rouge sont des couleurs chaudes, les couleurs bleues, violet, rose sont plutôt des couleurs froides, donc je vais descendre plutôt vers les roses, et comme j'ai une ambiance en plus dans le fond avec une lumière qui va être légèrement rose, ça me permet d'aller chercher comme ça une couleur de peau qui va tourner dans les roses. Pour pas qu'il paraisse complètement violet comme personnage et froid, je vais garder un léger entre-deux.
Donc là, on va tomber dans la symbolique un peu des couleurs. Où l'idée, c'est d'avoir là sur le personnage un côté assez violent et énervé. Donc, soit je vais opter pour quelque chose de plutôt réaliste avec une peau qui va pas être trop saturée et qui est plutôt vers les beiges. Soit je vais opter pour le surjeu un peu de la symbolique. S'il a une peau par exemple très rouge, on a un personnage qui va être très énervé. Donc c'est une question de contraste avec ce qui va se passer autour. Donc là par exemple, je commence à avoir mon ambiance qui ressort sur ce personnage ici. Il va falloir par la suite venir amener des lumières comme les contre-lumières qu'il y a sur les joues ici pour qu'ils ressortent. Donc il faudra venir créer une espèce de contre-lumière qui vient de ce côté-là dans l'ambiance un peu de devant qui fasse contraste avec l'ambiance qu'il y a dans le fond pour que les choses ressortent bien. Une lumière bleue par exemple va faire bien ressortir les choses. Lumière verte aussi. Donc il va falloir trouver une ambiance comme ça ici qui permette de faire ressortir un petit peu le visage. Encore une fois, même sur des parties comme ça où on va sculpter un petit peu le visage du personnage, je vais jouer entre des tendus, des versions, des éléments qui vont être très dessinés, très nets, et des parties qui vont être beaucoup plus floues. Et ça va alterner énormément selon les zones, selon ce qu'il y a à dire dessus. Ici par exemple, ça va être un peu plus marqué. Ici on va rester sur des flous.
Donc l'aspect plutôt propre ou plutôt sale dont je parlais tout à l'heure sur le côté, l'exemple qui était pris d'images qui sont un petit peu plus sales, qui paraissent salies. C'est toujours bien donc de démarrer avec des silhouettes très propres, des choses assez propres. L'intérêt de démarrer assez sale comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est ce qu'on commence à voir là. C'est d'avoir des zones comme ça qui vont être très détaillées, des zones qui restent dans des effets graphiques assez forts pour avoir le grain de peau qui part un petit peu comme sa présence juste sur quelques zones va donner l'impression qu'il est présent partout. Alors là, je vais commencer à me soucier des couleurs au fur et à mesure. Les détails reprendront après pour toutes les parties du tronc d'arbre, par exemple, des différentes tensions. Est-ce que ces lianes-là, c'est des espèces de tissus déchirés en fait? Ou est-ce que c'est du cordage? Est-ce que c'est des lianes justement très simples, naturelles, de différentes plantes? Tout ça, je vais m'en soucier après. Ce qui va compter maintenant, c'est vraiment les couleurs. Là, je vais avoir mon ambiance, un rose désaturé, un rouge saturé devant. Et j'ai qu'un seul élément pour l'instant qui sort, donc il va falloir saturer un petit peu les choses autour. Donc j'aurai plus tard ce qui a été posé hier, donc l'histoire des fées autour, qui vont être un élément important. Mais déjà dans l'ensemble ici, je vais manquer un tout petit peu de variation. Donc à partir de là, je vais utiliser justement de la doc autour de ça, pour le rendu, pour les couleurs, etc. Donc je pourrais les montrer aussi par la suite, ces différentes docs. Donc là, je vais utiliser deux types de documentation. Je vais les montrer à l'écran directement. Je vais utiliser ce genre de documentation. Donc le panneau, j'en avais parlé pour dans certains lives, si vous voulez retrouver la référence. Donc c'est un petit logiciel qui s'appelle PureRef pour pouvoir stocker toutes les images, les déplacer,
mettre des termes à côté si on veut les grouper par type d'ambiance. Donc je vais utiliser ça en termes de référence d'ambiance, de couleur, d'équilibre, etc. pour des tas de raisons différentes. Ces deux ici vont servir pour l'ambiance globale. Celle-ci va servir pour les effets, donc type de lumière, les effets un petit peu qu'on va avoir autour du fait d'avoir toutes ces toiles d'araignée. Et toutes les autres autour vont avoir des références qui vont servir pour des références diverses. Celle-ci pour le côté végétal, comment introduire ces ambiances un petit peu de vert et le traité des arbres. Celle-ci pour pas perdre de vue, simplement un aspect plus graphique. Donc je vais pas du tout être dans cette ambiance là, mais c'est pour se rappeler ce côté un peu très dessiné, très punchy. Celle-ci de manière plus évidente pour le côté encadré, un peu de composition et comment les valeurs et les couleurs vont se compenser ensemble. Et les trois du bas, ça va être pour des histoires de rendu et d'ambiance mélangées. Donc celle-ci, où je vais tester des choses un peu plus soft à l'arrière et d'avoir une ambiance un peu plus grisée avec éléments un peu plus colorés. Celle-ci pour les effets, encore une fois, donc là on est sur une image de Feng Yue. Où on va avoir tous les effets comme ça, presque toile d'araignée justement dessus, et je vais revenir à utiliser ça par la suite pour voir comment améliorer ce côté juste blanc et étiré. Et je vais avoir des images comme ça qui vont me donner après ce côté plus peinture, plus lâché, plus dynamique, avec le dosage aussi de choses saturées qui vont venir dessus. Là par exemple, c'est une image noir et blanc avec juste une touche d'ocre sur le personnage. Un tout petit peu de bleuté comme ça sur les bordures, sur des éléments importants. On a un peu de rouge et de vert là-dessus en aberration chromatique. Et on va juste avoir le bleu qui va ressortir, le bleu violet ici qui va ressortir. Donc c'est vraiment noir et blanc et 2-3 touches de couleur pour faire vivre le tout. Comme ce que j'ai fait sur la tête du personnage ici, c'était juste un tout petit peu de couleur. Et je vais utiliser donc un autre panneau. Alors si vous n'êtes pas des grands fans d'araignées, c'est pas forcément le moment, ça risque de gratter un peu. Donc c'est l'autre partie que je vais utiliser. Donc là on va être sur les... voilà. Là où nous amène le métier de l'illustration, à toujours aller chercher des références un peu spéciales. Donc on est sur les fameux champs couverts de toiles d'araignée, ça va me permettre d'avoir le traité un petit peu, d'avoir des idées pour le traité du sol. Donc ce genre d'image ça va parce que c'est des fausses araignées en image de synthèse par dessus. Là on voit le côté cotonneux, un tout petit peu des tensions, donc ça va me servir pour la suite. Ça on a le côté très éthéré, ça c'est des choses qui sont dures à imaginer, que ça puisse être transparent à ce point avec la distance. C'est évident, hein, il y a tous les trous et c'est reste des petits fils, donc ça crée qu'un espèce de voile. Mais cet effet là est difficile à avoir de mémoire et d'imagination. Donc je vais me le garder dans un coin pour ça. Certaines parties, pour avoir de la nuance, je vais même monter à cet effet là. Donc c'est pas de la neige, hein. C'est bien des toiles d'araignée qui recouvrent un champ. Donc ça va permettre d'avoir un rendu comme ça un tout petit peu plus blanc qui va couvrir l'ensemble sur certaines zones et pas avoir peur de le faire. Là c'est ce qui me manque sur certaines parties, c'était d'oser aller un petit peu plus loin sur le fait de couvrir, donc j'ai été chercher des refs pour voir comment ça s'équilibre un petit peu. Donc là, ce genre forcément de doc qui donne moins envie. On va avoir le côté un peu éthéré, les grandes masses comme ça couvertes. Je vais me passer des araignées, j'en ai pas besoin dans l'histoire là, mais ça aurait pu être un élément à travailler qui était intéressant aussi. Et donc les images, ça je vais en reparler après, les images sur le côté qui sont là aussi pour du traité, qui sont sorties du dessin animé Mulan. Ces images là, elles sont là pour le côté structure qui va venir autour, où la structure, donc ce que j'avais placé hier comme étant un exemple juste de dynamique, cette structure derrière, elle m'a permis de retrouver ce que je cherchais un petit peu comme ambiance, c'est-à-dire avoir ce côté presque vieille maison qui a pris feu. On va avoir une structure autour qui ne dépend pas que des arbres. Donc on a un personnage qui aurait pu habiter là et qui se relève un peu comme s'il s'était laissé mourir dans sa maison qui a pris feu, qui a été démolie, qui s'est délité, peu importe.
Alors, il y a un peu des deux. Le but, c'était de lancer un peu les choses justement avec un gros croquis préparatoire avec quelques idées au départ pour pouvoir développer ça ensuite durant le Twitch. L'idée, c'est que ça permet de voir les principes un peu de réflexion qu'il y a derrière. Mais effectivement, j'ai une partie qui est écrite à l'avance. Je sais déjà comment ce que le personnage est globalement. Et c'est un personnage très calme en jeu en tout cas. Je reviendrai dessus tout à l'heure sur l'équilibre un peu gameplay, narration et graphisme. C'est un personnage qui a des coups très lents avec des gros coups au sol, etc. Des zones d'impact autour. Donc il me faut quelque chose de très calme comme masse, très gros, d'où la forme qu'il va avoir en silhouette. Des grosses armes très lourdes. Et en même temps un côté hyper explosif, hyper énervé. Donc on n'est pas sur le personnage très subtil au moment d'attaquer en tout cas. Un personnage un peu à la Hulk, entre guillemets, où on a une version calme et une version très très énervée, inarrêtable, avec des coups très puissants. Donc ça, c'est déjà des choses écrites au départ. Et je voulais vraiment ce côté où le personnage s'est un peu laissé mourir. Pour qu'il soit dans cet état un peu extrême, l'idée c'est d'avoir une écriture où le personnage a subi des choses tellement dures qu'il en était au stade de voilà, se laisser mourir dans une surface où là on est. Il y a cet environnement qui est pas très sympathique, pas très attirant. Et qu'on ait ce côté renouveau ensuite du personnage qui se lève. Donc d'où l'ambiance aussi autour. Hein. Cette espèce d'ambiance comme ça qu'on a qui est colorée entre le lever de soleil et le coucher de soleil, avec une ambiance qui va lever un petit peu de lumière sur la scène, qui va laisser par la suite passer voilà, des lumières un petit peu autour. Ça va être. C'est des choses que j'ai déjà écrites, quoi. Mais il y a des éléments, par exemple, comme celui-ci justement qui est derrière, c'est une subtilité que. En général, je trouve de la même manière que je l'ai faite en fait hier ou sur la session d'avant. C'est-à-dire que c'est en expliquant qu'il fallait des dynamiques, j'ai ramené donc cette surface derrière pour montrer les tensions qu'il fallait pour compenser la mollesse un petit peu de ça. Mais en temps normal, même si ça n'avait pas été une vidéo Twitch, c'est ce qui va se passer, c'est que je vais faire des essais en fait de lignes. Quand je vais faire du décor, je vais chercher des tensions, des lignes intéressantes, comme quand on construit du décor, par exemple. Et le fait d'aller chercher des lignes intéressantes, déjà, ça permet d'éviter d'être resté sur la première idée, et en plus, on se rend compte qu'il y a plein d'idées possibles qui peuvent être intéressantes graphiquement, quoi. On peut avoir l'espèce de côté un peu de corne comme ça, donné par un tronc d'arbre qui passerait derrière, comme une espèce de main un petit peu. On peut avoir donc le côté un petit peu en pointe qu'on a partout. L'autre effet, c'est d'avoir ce côté cabane un petit peu écroulé qui va venir autour. Donc en général, ouais, je vais chercher pas mal d'idées de toute façon, juste par des lignes, des choses qui vont s'entremêler. Et le plus brouillon possible au départ, le mieux c'est. C'est vraiment chercher les idées au fur et à mesure. Ça, par exemple, pour l'instant, c'est plus ou moins inintéressant comme forme. Ça donne pas grand-chose si ce n'est l'ouverture un peu sur la figure ici, mais ça manque de côté évident.
Ça, par exemple, c'est des images qui fonctionnent pas. On peut très bien faire des lignes dans tous les sens et juste tracer des lignes et puis faire une image après. Mais c'est une image où il y a des lignes qui vont partir ici, on a des lignes qui vont partir dans ce sens-là, il y a des lignes ici, ici, etc. Donc c'est une ligne, c'est une compo qui marche pas. Si on veut mettre des lignes dans tous les sens, il faut que par le cumul, elles viennent au moins entourer le personnage à la fin par négation un petit peu. Et je vais faire attention à garder aussi cette histoire de proportion. Ça, c'est intéressant. Ça va m'intéresser ce côté ici de morceaux de bois un petit peu agressif, un peu cassé. La structure en bois sur le côté qui va être un peu lisible ici. Donc le tout après, c'est de trouver le rythme, trouver les bons placements. Et ce à quoi je vais faire attention, c'est la proportion de l'image. C'est-à-dire que toutes les masses que je vais amener, un peu sombres comme ça, de structure en bois, elles vont rajouter des zones de noir, des zones de blanc dans l'image. Et on va toujours faire attention à ce que l'image, elle soit pas à 50% blanche, à 50% noire. On va essayer d'avoir deux tiers, un tiers ou trois quarts, un quart. C'est-à-dire que là, si je regarde mon image complète, on va passer en noir et blanc pour simplifier, je vais prendre le cumul de toutes les zones blanches. Et je vais regarder si c'est pas en train de tomber pile à 50-50, quoi. Si c'est le cas, il faudra renforcer cet arbre-là, par exemple ici, l'amener un petit peu plus par là. Ce qui sera sans doute le cas d'ailleurs par la suite. Oui, alors il y a ça aussi, ouais. Effectivement, le fait de mettre des lignes dans tous les sens, forcément, ça va donner une espèce de dynamique, de force à l'image qui n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin d'avoir cette force-là dedans. Donc il y a plein de choses comme ça en image qui vont progresser au fur et à mesure en essayant de garder le ressenti. Il y a des choses de compo sur des commandes en général assez courtes. Il faut que la compo soit calée dès le départ sur les croquis pour éviter d'avoir à patauger après et d'essayer de rééquilibrer des choses, rajouter des éléments, en enlever. Tout ça, faut le tester au moment du sketch noir et blanc et du croquis, quoi. Si c'est pas le cas, c'est bien de travailler en noir et blanc comme ça. Et en général, ça peut être des casse-têtes quand on rajoute des éléments après coup. Alors ça, c'est des choses que je fais souvent en numérique aussi, qui ont l'avantage par rapport au tradi, c'est de retrouver des choses comme ici, où j'ai lissé, donc on a des nuances qui sont beaucoup plus fines derrière le personnage pour qu'il ressorte bien. Mais ce côté explosif,
un petit peu cascade qu'on va avoir derrière, c'est quelque chose qui va être intéressant. Je l'aurais pas fait par réflexe parce que c'est trop filandreux et filamenteux comme ce qu'on va avoir au premier plan, mais ça donne par le côté groupé un truc très explosif, donc ça c'est des choses que je garderai par la suite. Ça, par exemple, ça serait valable pour un personnage qui doit être très impressionnant, qui doit avoir un côté un petit peu plus chef de quelque chose, d'un village, peu importe. Donc, je vais essayer de garder cette idée ici et lui donner un petit peu plus une structure comme ce qu'on a vu juste avant sur ce genre d'exemple ici, qu'on sente un petit peu la structure des maisons. Alors ça, par exemple, les différentes lignes derrière de structure façon tige de bois qui pourrait être une ancienne cabane, une ancienne barrière, peu importe, c'est quelque chose qui aurait théoriquement pu être intéressant, qui peut être même intéressant graphiquement. Il y a des choses comme ici, comme je disais, que je vais garder, mais ça pose un problème de lecture, c'est que d'un côté on a la ligne qui tombe alors qu'on a déjà le perso qui tombe vers ce côté-là, la compo qui est de toute façon à pencher dans l'ensemble de ce côté-là. Et on a en plus la répétition avec un poteau, qui viennent du côté où on a déjà les deux haches, donc qui vont perdre la lisibilité sur ces deux haches qu'on va avoir derrière. Donc c'est quelque chose que je vais garder, mais pas sous cette forme-là. Donc là, c'est le cas aussi, hein, sur ces éléments ici. Alors on a un élément qui passe derrière la hache ici, on en a un autre qui passe au-dessus. Ça lutte et c'est pas très intéressant de les avoir sous cette forme-là. Alors c'est anecdotique, mais le placement de l'arbre derrière, c'est la même chose, c'est tout élément a un peu une importance. C'est une question de ressenti, plus je vais le placer bas, plus le personnage s'est relevé, plus il nous domine, plus je vais le placer haut, plus le personnage est en train de se relever et encore envahi par tous les éléments autour. Et donc ça va donner une sensation comme ça d'élévation ou de puissance ou de dynamique plus ou moins présente. Parfois on va pas le sentir du tout, parfois ça va être très présent. Donc là, je vais faire attention à des petites choses de lisibilité. Ce point-là, par exemple, ici, qui va apporter un contraste sur une zone qui ne nous intéresse pas du tout. Il faudrait que ça soit plus haut pour voir la hache, par exemple, ici. Et donc là, ça a un intérêt à garder ça assez bas pour garder le contraste faible ici. Oui, exactement. Les tangentes, ça va poser un problème. Mais ça va se régler au fur et à mesure. Là, par exemple, j'arrive dans un angle. Ici, je vais avoir une zone un petit peu complexe en termes de forme. Il y a beaucoup d'angles qui se croisent. Il y a plein de choses comme ça à régler au fur et à mesure. Mais là, par exemple, j'ai relevé un peu l'arbre par rapport à la version précédente. Et ça me convient mieux pour le côté du personnage. Là, on a l'impression que le personnage a un peu plus le dos relevé. Et si on remonte, on a plus l'impression de ce dos un petit peu courbé. C'est très très fin comme impression, mais ça va me convenir un peu plus sur la direction qui est prise. Ouais, au bout d'un moment, on va faire cette chose qui fait mal, au bout à force d'avoir travaillé sur plusieurs parties, d'avoir travaillé longuement dessus. C'est de switcher la composition dans l'autre sens. Donc là, c'est une chose sans surprise. Je savais que l'image a tendance à pencher dû à la forme. Mais le fait d'avoir mis les cheveux, par exemple, dans ce sens-là,
C'est une bonne chose pour la dynamique, mais ça déséquilibre un petit peu la peinture. Le fait d'avoir cette force là très très forte et de ne pas avoir le contre ici, c'est un problème aussi. Donc là, ce que je fais en termes de composition, c'est de regarder en négatif un petit peu les grands vides. Je vais le montrer après cette forme que je suis en train de regarder. Donc pour vérifier que les choses s'équilibrent bien, la forme que je regardais ici, pour être sûr que ça marche. C'est celle-ci. Et donc au moment où je vais bouger ça ici, ça modifie ce rapport de force, ça modifie ce vide qu'il y a ici. Entre cette ligne-là, celle-ci ici, celle-ci ici, celle-ci ici. Et donc il faut y faire attention pour équilibrer l'image, pour bien fermer le regard sans perdre non plus l'asymétrie qu'on peut avoir dans les deux. Parfois l'asymétrie brute fonctionne très très bien. Donc là je vais regarder vraiment cette partie ici d'équilibre un petit peu entre les formes. En sachant qu'on a des petites choses comme ça ici à prendre en compte, le petit vide qu'on a par là-bas, on a des choses comme ça qui vont arriver dedans, les transparences qu'on a là, donc celles-là c'est bon, elles sont à peu près symétriques, donc il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que les lives me ralentissent? Oui, ça me ralentit énormément.
Il y a beaucoup de choses, par exemple, là, ce que je suis en train de faire, c'est des choses que je règle bien en amont, qui sont déjà prévues au moment du sketch. Donc, à aucun moment, c'est des choses que je vais régler, que je vais perdre du temps à régler tardivement. Il y a déjà suffisamment de contraintes en image pour pas en plus se prendre les pieds dans des problèmes de composition aussi importants que ça, trop tardivement. Donc, oui, en termes de temps exact, je ne saurais pas dire exactement la différence précise, puisque là, en plus, comme on est sur une illustration où j'ai pas défini de temps précis pour la terminer, par exemple. Vraiment prendre le temps de montrer un petit peu tous les éléments de processus intéressants. Mais il y a des chances qu'à la fin, oui, on soit quasiment à deux fois le temps habituel. De manière générale, ça varie selon les artistes. J'ai tendance en plus à être très 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 rapide sur les premières parties. Sketch, composition et mise en place des masses, etc. au départ. Et j'ai une tendance à être très très lent sur les parties de clean ensuite. Pour équilibrer les choses, je prends beaucoup de temps pour compenser en retournant l'image souvent, etc. Je perds beaucoup de temps à la fin en général pour équilibrer les dernières touches. Ce qui me pousse d'autant plus à aller très très vite sur les premières parties pour éviter d'être coincé à la fin et de manquer de temps. Donc là, quand j'ai des problèmes de compo comme ça en cours de route, ce qui peut quand même arriver hein, sur certaines images, en général le métier nous le fait dire assez vite. À chaque fois qu'on se retrouve à modifier des compos en cours de route, on le regrette déjà assez vite. Et on se réacharne à essayer de les refaire bien alors qu'on gagnerait du temps à les refaire de zéro. Je sais pas si c'est le cas dans ceux qui suivent là le stream, mais ça c'est une chose qui arrive très très souvent, le fait de se rendre compte que quand on a changé une composition, il aurait mieux valu parfois redémarrer de zéro que de s'acharner à essayer de la sauver et d'en faire quelque chose dans son état en tout cas. Donc là, ce que je fais sur des touches très rapides, justement, c'est revenir à des problèmes simples de composition. Donc je reprends des lignes qui vont mener au sujet principal. Donc c'est ces lignes importantes là qui vont permettre de relever le regard, qui vont permettre de guider le regard vers le personnage principal. Et je vérifie des choses simples, par exemple là quand j'ai fait ces différents traits, c'était vérifier ce que ça donne si jamais je viens plus tard rajouter du cordage qui s'est emmêlé par exemple avec plusieurs cordes tout autour et ça donne un aspect brouillon pour l'instant qui ne me convient pas. Donc on verra plus tard, en tout cas pas pointu comme ça. Il y aura peut-être quelque chose à trouver là-dessus. Un petit peu plus rond par exemple. Oui, ça peut être intéressant.
Oui, c'est souvent frustrant et puis souvent on estime ne pas avoir le temps en plus. Sur des commandes, parfois on peut avoir l'impression qu'on est un peu juste et que recommencer c'est quand même risqué. Et, alors que la plupart du temps, on va quand même réussir justement en ayant fait les choix, en sachant que ça va coincer, on va aller aussi deux fois plus vite. Donc, ça c'est toujours une chose intéressante en image d'ailleurs, c'est le fait d'avoir l'occasion de refaire une même image, c'est à quel point on va très 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 vite. Donc la même chose, je vais toujours vérifier hein, cette forme un petit peu de chapelle qu'on va avoir autour. Je vais essayer de créer un toit comme ça autour du personnage. On a cette forme qui va revenir un petit peu partout, qui est libre un petit peu derrière. Donc là, on voit que même de loin, des zones comme ici, ça vient gêner un petit peu la lisibilité. Il n'y a pas d'intérêt à venir frotter avec le personnage comme ça. Donc là, je vais venir contrebalancer un peu ma dynamique du départ. Comme si on avait un coup de vent, je vais utiliser un peu cette espèce de coup de vent dans les grottes un petit peu. Et l'avantage d'un coup de vent comme ça, qui réfléchit de cette manière-là, c'est qu'au lieu d'avoir un coup de vent latéral qui va donner une dynamique où tout va dans le même sens, là ça va me permettre de donner une espèce de cohérence au fait que à gauche ça parte vers la gauche et à droite vers la droite. Comme si les arbres étaient suffisamment proches pour que ça fasse un goulet d'air comme ça. Et ça va me permettre de composer de manière un petit peu plus fine l'image, qu'on ait vraiment comme un rideau un petit peu qui va venir s'ouvrir autour du personnage. Ça rejoint un autre aspect de design de décor, hein, c'est qu'à tout moment il faut penser à la dynamique et à ce qui est vivant, ce qui bouge en tout cas dans un décor. Donc ça c'est assez intuitif, c'est vraiment travailler, on va modifier les choses comme s'il y avait un léger coup de vent qui prenait dedans, donc assez raide en haut. Et on va venir donner le coup de vent un petit peu dedans ensuite. Là je vais faire attention surtout à l'autre côté. Donc là, je viens calmer un petit peu la zone pour laisser de l'espace pour que ça respire autour du personnage principal, qu'il soit pas agressé dans tous les sens par des formes complexes.
Donc à partir de là, en termes de couleurs, je vais commencer à séparer un petit peu mes différentes parties. Donc entre le fond, ce qui se passe devant, etc., je vais essayer d'équilibrer un petit peu les différentes couleurs qu'on va avoir, que ce soit bleu derrière, rouge devant. Je vais changer un petit peu l'ambiance pour que ça colle. Donc c'est là où je vais faire attention à la documentation justement pour trouver un petit peu le type d'ambiance que je vais poser sur l'image complète. Donc là on revient à ce qu'on avait pu voir sur certains lives où le fait de mettre du vert par exemple en termes de symbolique, ça permet de rajouter un côté plus vivant par exemple, ou au contraire plus nauséabond selon le type de vert. Si on met une ambiance plus rouge, on a ce côté plus sanglant et énervé du personnage. Si on met une ambiance bleue, on a une ambiance plus calme. Donc là, ça va être toute l'idée, c'est que le personnage a un côté très nerveux et très sanglant, très violent, mais qui se réveille doucement. Donc je veux pas une ambiance autour qui soit rouge sang. Sur le prochain live, ça, je prendrai le temps de le montrer justement. Une version d'ailleurs très rapide ici. Donc ça, c'est le genre de fond qu'on pourrait avoir avec un personnage très énervé, par exemple, où on aurait une ambiance très sanglante.
Donc il faudrait régler d'autres problématiques comme celle du tronc d'arbre qui est derrière ici, où il faudrait le faire progresser. Et on aurait besoin de plus de contraste sur le personnage, mais l'idée c'est qu'on peut avoir quelque chose de très très sanglant derrière, très rouge, très dense, mais on va avoir une ambiance qui est un petit peu monotone. C'est valable si on veut quelque chose de très direct, quoi, très violent. Là, je vais chercher le contraste justement de la violence avec une ambiance qui a rien à voir, qui est plutôt associée à du calme, à quelque chose de très doux. Ok, donc je vais terminer sur cette partie. L'idée ici, c'est d'avoir donc de jouer un petit peu sur les lignes qui vont venir compenser un petit peu le reste de la composition. Là, pour modifier la composition sans faire d'erreur, l'idée c'est de revenir aux grandes lignes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Donc là, par exemple, la composition elle fonctionne avec une lisibilité comme ça qui va aller du bas ici, qui va suivre le sol. On va remonter par là-bas par l'arbre qui est derrière. Donc on a déjà une composition un petit peu qui va partir en Z. On a cette forme qui va revenir ici. Donc on a un rythme comme ça qui va revenir. On a ce rythme-là qui est composé par, qui est compensé par celui-ci. Et ensuite, le fait d'avoir globalement une image qui penche. On a la ligne des épaules, on a l'alignement des coudes ici qui va pencher, cette hache là qui est plus haute que l'autre, etc. Le fait que celui-ci avance plus loin dans la composition, il est, on a cette partie d'image, on a cette partie centrale. Je vais limiter le nombre de traits à l'image, mais il va falloir faire attention donc par exemple à ce genre de proportion en haut. Donc celle-ci qui va répéter celle-ci par exemple. Et donc pour compenser ça, je vais venir chercher quelque chose qui va pencher dans ce sens-là. Ça peut être une solution. Ça permet de pencher quelque chose qui est triangulaire au lieu de l'avoir vraiment comme ça ici. On va venir l'incliner un petit peu vers ici et ça va permettre de compenser le côté penché inverse des autres éléments. Donc ça va être à questionner, à mettre en place. Et je vais faire attention à la taille des objets pour terminer là-dessus. Des gros troncs d'arbres ici, des troncs d'arbres moyens ici, on en a un autre gros derrière, donc il va falloir faire attention à cette espèce de lourdeur ambiante de l'image, déjà qu'on a un personnage qui est quand même très très gros. Donc il va falloir amener un petit peu de finesse dans tout ça.
Ok, je vais m'arrêter là-dessus. La prochaine session, donc ça sera pas samedi. Ça sera la semaine prochaine. Donc même chose, ça sera le mercredi à 18h. J'enchaînerai sur la suite de cette image-là. On parlera toujours de choses de composition, d'image, mais vraiment tourner illustration avec l'intégration d'autres personnages, comment mettre en place les différentes valeurs et couleurs ensuite pour sortir de cette image un peu noir et blanc à peine colorée. Et je vais essayer donc de mettre en place une bonne partie pour la prochaine fois d'éléments intéressants dessus. Et comme ça, on pourra avancer sur d'autres points de couleur qui changent de ce qui a déjà été vu. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi le live. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, donc à 18h mercredi.